En marche vers Lisieux, c'est ensemble que les guides et scouts d'Europe partent en pèlerinage. 100 ans après la déchirure qu'a représentée la Première Guerre mondiale, c'est le signe concret d'un désir de réconciliation. C'est une démarche profondément spirituelle avant d'être une démarche politique ou sociale. Et il nous semblait important que dans le chemin spirituel qu'on leur proposait pour l'Eurojam, ils aient l'occasion de puiser à la source de la réconciliation. Si on veut se réconcilier avec son frère d'un autre pays ou manifester cette réconciliation, la vivre avec soi-même, il faut la puiser là d'où elle jaillit, c'est-à-dire du cœur de Dieu, qui est la source de la paix, la source du pardon. Unis dans ce lieu saint, les scouts ont pu adorer le Seigneur sous le regard de la petite Thérèse. Marche jusqu'à la basilique, portée par la spiritualité de Thérèse, mais pour rencontrer le Christ, dont le cœur est ouvert et y puiser la miséricorde.